la vie, en fait, j'ai compris un truc dans la vie, c'est que il faut vivre, c'est mieux de vivre dans les prêts. Parce que quand tu prêtes, quand tu prêtes pour développer, tu vas rembourser facilement. Oui. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussite, bon, le reste on s'en fout. Bref, aujourd'hui nous sommes à l'instant je fais cette vidéo, nous sommes le 4 décembre, nous sommes à Yaoundé du côté de la montée Konengi. Je suis avec Tamdemkom. On a joué au foot ensemble, on l'appelait Neymar. Et aujourd'hui c'est un gars qui a dit que maintenant lui cherchait l'argent. Donc gars, vous voyez qu'ils vont te découvrir aujourd'hui là. Tamdemkom c'est qui? Voilà Kamdem Kwam. C'est tout ça comme ça. C'est tout moi comme ça là. Oui. Gars, moi j'avais une question. Ouais. Par rapport au truc du business à glace. Donc comment d'abord tu te lances dans la phase? Bon, en fait, ce n'est pas une idée qui est venue de moi. Oui. Déjà, c'est un ami. Oui. Qui a émis l'idée d'ouvrir une machine à glace. Oui. Et puis, il n'avait personne pour gérer sa machine. Oui. Il m'a parlé de son idée. Comme moi j'avais un peu de temps libre, il a dit que bon, pour le moment comme moi je fais rien, je peux me proposer attends on fait la vidéo, il va te donner la glace, je peux me proposer de t'aider. Ouais, donc de t'aider de temps à autre, comme moi je ne fais encore rien. Ouais, c'est comme ça que je me propose pour gérer sa machine. Bon, comme la petite vient en mangeant, ouais, en gérant sa machine, je me suis dit bon, mais tiens, la fait là, il y a la là, on néglige les 100 francs. Mais pourtant 100 francs c'est une grosse puissance. Ouais, ouais. Donc mieux je m'intéresse à voir l'histoire. Vu que ça ne me prenait pas assez de temps, le matin je peux aller faire mes entraînements. Ouais, ouais. Et comme c'est la glace, ouais, ça commence à partir de 10h. Donc le temps quand il passe des entraînements, je venais. C'est comme ça que, bon, lui il n'avait pas la bonne position pour mettre ça. Ouais, ouais, ouais. C'est moi qui nous donne l'idée de venir poser ça ici. Ouais. Donc moi je loue sa machine. Ouais. Et on gère comment on peut gérer. Ouais. Donc c'est comme ça que je vois le truc. Bon, tiens, c'est un truc assez lucratif. Assez bien. Wow, c'est rentable quoi. C'est un peu rentable, ça me permet d'être indépendant quoi. Ouais. C'est comme ça donc. Que tu te lances dans le truc. Au départ c'était pas mon part. Ouais. C'était ça. Commence par louer. Ouais, je louais la machine. Il faut noter quand même que tu as un bac D, non? Ouais, j'ai un bac. Tu as même fait physique en bois. Et aujourd'hui, je te retrouve en train de faire des glaces. Ok. Et donc, c'est comme ça que je me lance dans ça. Bon, j'ai vu que, oui, pourquoi ne pas moi-même approfondir. Approfondir, avoir même ma propre machine, ouais, quoi. Je ne pouvais plus être dépendant de quelqu'un. Bon. C'est qu'au Cameroun, nous on gère beaucoup plus dans les trucs comme les cotisations. Ouais, les cotisations, ouais. C'est pas que les cotisations. Mais jusqu'à là, ça ne me permettait pas encore d'avoir la machine. La machine. Je me suis dit que bon, tiens, le type, avant d'avoir sa propre machine, lui il a prêté de l'argent. À bout d'un peu, ouais. Il a prêté de l'argent pour acheter sa machine. Pourquoi ne pas aussi, alors, vu que je louais, pourquoi ne pas aller emprunter et pour acheter ma propre machine et remettre sous forme son de prêt? Oui, oui. Et m'approprier la machine. Déjà qu'ils avaient un certain son. Ouais. Mais il me fallait compléter cet argent pour développer. Pour acheter d'abord la machine. C'est comme ça que je prête l'argent qui me permet de compléter pour acheter la machine. Et c'est comme ça que ça, elle m'appartient déjà parce que j'ai ramassé tout à l'heure. Ouais. Et tu as une autre machine que tu as achetée. Justement, la vie en fait, j'ai compris un truc. Ouais. La vie, c'est que il faut vivre. C'est mieux de vivre dans les prêts. Parce que quand tu prêtes, quand tu prêtes pour développer, tu vas rembourser facilement. Oui, oui, oui. Ok. Qu'est-ce qu'il y a à attendre là? Attendre en magasin d'argent pour acheter. Alors que tu peux emprunter, acheter et travailler. À rembourser. Rembourser possiblement. Au fur et à mesure que tu finis la dette, la machine t'appartient. Et c'est quand tu dis là, c'est valable dans n'importe quel business, que ce soit dans la maison, dans l'immobilier, dans les taxis. Au fur et à mesure que tu vas rentrer, tu vas rembourser. Ouais, au final, le truc va t'appartenir. Maintenant, tu vas commencer à. C'est le cerveau qui travaille. Voilà. Exactement. Vous avez dit que toi, pour financer ça, tu as fait appel aux cotisations, les tontines. Tontines, exactement. Voilà. Non, gars, c'est, il faut servir. Bon, ouais, les 100 francs. Ouais, on dit les 100 francs, on néglige 100 francs. Pourtant, 100 francs fois 100, ça fait 10 000. Tu multiplies par 1000, ça fait 100 000. Donc, du coup, comme tu es en train de servir, là, gars, par jour, comme ça, tu peux même gérer combien par jour? Bon, en fait, ce business, n'est-ce pas? Oui. Il est périodique. Oui. Il faut qu'on se le dise. Ouais. C'est qu'il y a les périodes où ça donne, il fait froid, ouais, oui, il pleut, il y a les pleurs comme maintenant,
c'est le bon moment. Mm-hmm. Vrai. Et surtout ici, chez nous, c'est le dimanche. Juste dimanche. Le dimanche, non, là, c'est ta journée. Non, c'est ma journée. Ouais. C'est une journée qu'un gars, moi, Black Power. Ouais. Bon, justement, donc, comme c'est périodique, c'est pour ça que tu vois, il y a ça. Ah, ok, il y a les popcorn. Parce que ça, c'est, oui. Ça passe tout le moment. Tout le temps. Parce qu'il y avait quelqu'un également qui faisait ça ici. Moi, ouais. Je me dis, tiens, il me laissait souvent sa machine ici. Ouais. Il vient récupérer. Mais si, tiens, pourquoi moi aussi, je ne peux pas. Et sur le terrain que tu as donc, pourquoi moi aussi, je ne peux pas développer ça. Parce que, à un moment, quand il fait peu la gare, même à même 2 minutes, c'est ouais, pas ouais, la ouais. Machine, gars. Ouais. Oh, si tu as un petit truc qui fait entrer l'argent, c'est comme ça que. Voilà. C'est comme ça que je développe aussi également. Ouais. Ça. C'est que si ne donne pas la parole, ça ne donne pas. Ça va donner. Forcément, ça va. Voilà, c'est un peu ça le truc. Merde. Ok. Mais du coup, alors, ça veut dire qu'un dimanche, un bon dimanche ouais. Comme celui-ci, tu peux faire combien? Un dimanche, ici par exemple. Ouais. Un bon dimanche, ouais. Quand tu as tu peux faire 25 000. 25 000. Et en termes de marge, tu peux faire une marge de combien sur 25 000? Marge, c'est-à-dire? C'est-à-dire le bénéfice. Le bénéfice. Non, tu peux avoir tes 10 000. 10 000, c'est un dimanche. C'est de quelle heure à quelle heure? Tu commences à bien. Hein? Le matin, bon, ici, bon, je suis à mon ferme. Quand on va fermer, tu sais, la machine, ça arrête. Ouais. 21h30. 21h30. Et c'est chaud aussi. Parfois, ça prend beaucoup plus dans la nuit. Hein. Ah ouais? Ouais, dans la nuit, c'est que dans la nuit, tu vois, un peu, c'est vide là. Ouais. Dans la nuit, tu vois, il y a les gens. Et quand les gens aiment se prendre un peu, c'est un peu comme ça. Ah, ok. C'est comme vous dites qu'il y a. Ouais. C'est beaucoup plus de demande. Demande, c'est une bonne journée. Comme maintenant, oui, par exemple, maintenant j'ai presque fini. Je viens à recommencer. Tu as relancé une autre ah. Et un truc comme ça, imagine qu'on a la coupe combien à peu près? Une machine, normalement. Bon, déjà, je vais te dire, ouais, tu vas voir qu'elle est à moitié. Ouais, ça c'est parce que moi je n'avais pas à prendre ce qui est plus entier. Mais je me suis rendu compte que la capacité est la même. Ah, ok. Donc, ce qui fait que j'ai pris ce qui est à moitié, comme il faut un support pour pouvoir les fabriquer ce qui est en bas. En fait, ça là, oui. Ça m'a pris 550 000. 550 000 seulement ça? Ouais, les deux. Ça dit 500 000, 50 000. Mais par contre, tu mets une machine comme ça entière. Ouais. Tu es dans les 800 000, 750 000. Ça veut dire que là où tu es là, ouais. Si on met les fonds, tu peux même mettre même 5-10 machines dehors. Normalement, c'est même ça mon souhait. Je suis à la voie 2. Est-ce que tu as entendu? Je suis à la voie. Est-ce que tu as entendu? Donc moi, en tout cas, moi, ça me plaît. C'est... Moi, regarde, moi. Tu as entendu ce qu'il a dit là? Il a dit que là où il est là, si on met les fonds, on peut mettre même 10 machines. 10 machines. Oh mon souhait, c'est le souhait. Avant que je crois que ça mérite un talk. Que... Viens. Parce que la vérité, c'est que ouais. Les gars, on les doux. Ouais. Nous, on reçoit les gens tous les jours qui nous demandent où ils mettent l'argent. Ouais. Donc, ce qu'il a dit là, c'est vrai. Avant, on sait quelque chose. Donc, qu'est-ce qui me pousse même d'abord à prendre la deuxième? Ouais. C'est quoi, puisque j'ai ma dame? Ouais. Elle, de temps en haut, elle venait me supplier. Ouais. Parce que quand j'avais mis à ça, je gérais toujours avoir la machine de l'eau. Mais oui. À l'école. Ce qui me pousse donc à avoir juste que bon, puisque elle maîtrise déjà le truc, pourquoi venir encore s'encombrer ici? Ouais. Mais je la reste. Ouais. Moi, je suis pas ailleurs. C'est comme ça que j'emprunte encore la rampe, ce que j'avais. Et tu développes une autre machine. Maintenant, je suis mis à presque à la fin pour rembourser l'eau. C'est un peu ça. Vous avez dit que, on fait un petit calcul. On va prendre les journées moyennes où j'ai fait 10 000. Ouais. 10 000, s'il a 10 machines comme ça par jour, il devait 100 000 par jour. Sachant que il ne paye pas, tout ce que tu payes, c'est quoi? C'est l'électricité, les produits. Électricité, produits, vocation, tu dois bien. Ouais. Ok. Donc c'est du loup. En fait, on est bon, plus, en fait, oui. En fait, quand ce truc fonctionne normalement, bien que la période est bonne, tu ne peux pas manquer de 5 000. Tu peux manquer combien? 5 000. 5 000. Dans la norme. Quand si tu es dans un bon secteur, un bon circuit, ça c'est le minimum. Hein. Ouais. Maintenant, quand c'est mauvais là, c'est mauvais. C'est vraiment mauvais, c'est pas la ok, ouais. Quand c'est mauvais là, c'est vraiment la catastrophe. C'est pour ça que je vois le petit truc là. Oui, là, c'est ça. Ça rembourse. Ouais. Non, c'est super. C'est un peu ça. Sweet popcorn. Bref, l'équipe, si vous voulez prendre une bonne glace, sweet popcorn et tout là, c'est Monté Konengi. C'est la Monté Konengi. Quoi? À la Neptune. Ouais. Donc, la position normale. L'équipe, dans l'intérêt, quand t'aimes quoi? Il va nous passer dès qu'il devait devenir footballeur. Ça, les coéquipiers des Ambouangui, ça. Ils ont droit. Gars, il faut aller vendre. Il ne faut pas laisser les 50-50. Donc voilà. Mais écoute, quand même, ouais. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer?
Bon. Le seul message que je peux passer, c'est que entrepreneuriat est bon. C'est pas la blague. Parce que entrepreneuriat ne dirige pas. Ne dirige pas 5 ans, 10 ans. C'est les 100 francs là qui font le côté à la fin du journée. C'est-à-dire que tu peux même avoir tes 1000 francs, tes 2000. Donc il faut entreprendre. C'est vrai. Même si tu es dans quel business, il faut toujours avoir un petit truc en temps. Pas plusieurs choses de revenus. Ouais, parce que les trucs qui viennent à la fin du mois, là, gars. C'est la maman. C'est tous les nouveaux qui gèrent les cotations quotidiennement. Vous avez besoin d'avoir de l'argent. Et si j'avais entrepris depuis, je ne sais pas ce que tu as dit. C'est ça, en fait. C'est clair. Donc c'est pour les... C'est un putain. Non, je ne peux pas attendre parce que j'ai compris. Oui. J'ai compris. Bon, maintenant, il faut développer. Et comme il faut lire. Parce que nous, on sort d'une école. Il faut qu'on... Ouais, le numéro de téléphone, c'est quoi? Si jamais quelqu'un veut commander... C'est là. 6... Non, donne le numéro, non. 693-63-23-65. 693-63-23-65. Pour ceux qui sont du côté de Yaoundé. Donc voilà. L'équipe, moi, j'étais avec Kamdem Kwam. Rocky, alias Nema. Rocky Glass désormais. Donc on a joué au foot ensemble, on disait qu'on voulait tuer le game. Les gars, c'est qu'on comprenne que bon, le football a d'autres réalités. Donc maintenant, nous on cherche l'argent. L'équipe, si tu as liké la vidéo, n'hésite pas à le dire en commentaire et donc rendez-vous à la prochaine vidéo. On est ensemble.